On proposait un défi athlétique très intéressant. Vous voyez dans les buts Bollat, Tagir, Seigers, Reynolds de Kuiper pour la défense qui ne bouge pas. Pas de solution pour lui. Lui qui avait joué 60 minutes face à Anderlecht, le temps de parcourir 7 km, de claquer 10 sprints. Et là, il donne à de Kuiper. On parlait du flanc gauche, que c'est bien joué de la part de Kuiper. Est-ce que Westerlo va marquer sur sa première possibilité? Oui! Ça part de Chadli, ça transite par de Kuiper. Et c'est fini par Reynolds. On part à gauche, on termine à droite. Et c'est 0-1 après 3 minutes de jeu à peine. Vous pouvez très facilement, trop facilement, parce qu'il y a cette passe de Chadli. Je ne sais même pas si c'est exactement là qu'il veut la mettre, mais ça crée tout le décalage. De Kuiper, c'est de Golisa Deverem Benza. Récupération haute, Nkuba et Mans qui se retourne de manière habile, mais de manière à se faire contrer aussi. Et Charleroi rentre dans son match. Attention quand même à ce contre qui s'annonce. C'est un 2 contre 2, 3 contre 2, même si De Kuiper arrive vite. Foster, c'est pas mal joué. De Kuiper, après les assists, le but. C'est sa semaine à De Kuiper. Il a commencé à rêver dimanche. On est samedi soir, il s'est toujours pas réveillé. Un but, un assist, 0-2. Il court offensivement pour lui aussi. Golisadé. Un but Carolo, peu importe comment il tombe, peut changer le cours de ce match. Et il va tomber là, Mbenza. Le troisième but de la rencontre est donc Carolo. Et ça, c'est important pour la suite du scénario. Edouard Steele le sait, prend l'espoir tôt sur une phase bien construite qui vient du flanc défensif de Kuiper. Là, il est pris dans son dos. Zorgan, le bon contrôle, la bonne passe de Zorgan. La possibilité d'égalisation qui s'envole. Dans le rectangle, à l'exception de Néné qui est juste entre Morioka et le rectangle. Zorgan, c'est pas un mauvais ballon, deuxième poteau, la tête. Dernière semaine, surface arrêtée. Il le fait, ça sort de nulle part, ça sauvera peut-être pas la prestation des de Malin Westerlo. Il y a Fixel qui a encore, et il y a Néné, je vous parlais de sa vitesse, de sa technique, ils vont marquer Westerlo. Tout est bien fait dans cette action. De nouveau à la bonne place, on l'aura moins vu, moins encensé. En deuxième période, mais peu importe, Jonas de Roux peut exulter après avoir battu le Sporting d'Anderlecht.